Bon, là, Paris. Bon, là, c'est un peu compliqué. Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de vous parler en portugais. Je vais quand même vous parler un peu en portugais par-ci, par-là, mais je suppose que maintenant, il y a quelques Français qui sont là. Je ne sais pas si c'est le cas. Alors, ce sera mon premier spectacle où je vais parler un peu. De toute façon, vous parlez tous le français. Hein? Qui ne parle pas français dans la salle? Bon, il y en a deux, ça va. C'est pour moi. Ah, vous venez du Portugal, vous. C'est pour moi un très, très, très grand honneur d'être dans cette salle, dans ce palais des sports pour la première fois. Qui est là pour la première fois au palais des sports? Bon, vous voulez passer toujours avec moi, en fait. Et c'est pour moi un très 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 grand honneur de, je pense que vous m'avez vu à la télévision par-ci par-là. Mis à part la femme chirurgie qui ne savait pas qui j'étais, je pense que vous savez qui je suis. En tous les cas, c'est pour moi, je le répète, un très très grand honneur de vous prêter hommage, je parle en ce cas précis, de cette communauté portugaise de laquelle j'ai fait partie pendant 27 ans de ma vie en région parisienne. Et c'est pour moi, j'espère que je vous prête un bel hommage dans mes apparitions. Et j'espère aussi conquérir d'autres gens qui aimeront m'écouter chanter tout simplement. Je pense qu'en majorité, vous êtes portugais ce soir. Ouais, je vais employer un mot que je n'ai pas l'habitude d'employer. On ne va pas passer pour des cons. Vous avez tous bien chanté pour voir qu'effectivement, je suis quelqu'un de connu là-bas. On va y aller, ok? Alors, je vais tous vous voir. Non, debout pas encore. Ça, on va y arriver un peu plus tard. Alors, on va commencer par une balade que je pense que vous connaissez. Et je veux vous entendre chanter dans la salle. C'est ok? Ok. Okay.